Eh bien les amis, on prend son courage, on est prête, on continue. Je pense que c'est la dernière partie du dernier épisode. On va sûrement se taper un genre de boss géant ou je ne sais pas. Un truc comme ça quoi. Ou une grosse bataille finale. C'est tout. Je fais ce que j'ai pu pour mon personnage et on va voir. On prend son courage, on prend son courage. Il faut aller où? Bah, a priori, ce ne serait pas très loin, mais vous avez compris que ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose, bien sûr. Par où il faut aller? Alors, j'ai du stock de tout. Ouais, j'ai plein de soins. J'ai plein pour, j'ai plein plein quoi. J'ai plein de tout. On y va. Ah, il y a une boîte, il y a des boîtes. J'ai plus de place de toute façon. Ouais, je peux plus. Je peux plus. Bon, il y a des soins, il y a du plasma. Il y a plein de boîtes, truc de ouf. Ah merde. Allez là la femme. Oh, il y a un gros. Il y a un géant. Ah, elle s'est fait choper. Boum. Splatch. Bon ben voilà, elle s'est réglée. Ah, c'est à mon tour. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Je suis encerclé là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas bouger les gars. Oh là, un gros boss. Un bolos, un beau gosse. Un ver géant. Ah, il a plein de trucs jaunes. Est-ce que je vais survivre à ça? Putain, le gueule de Santa Maria. Il m'a encerclé. Hein. Attention. Oh là là, ça fait mal. Il est où? Il est où? Je vois même plus où il est. Je vois même pas où il est, il m'a fait. Attention! On charge! On a crevé les yeux! Il y en a encore deux! Merde, j'arrive pas! Aïe, il m'a fait mal! Méchant! Méchant, méchant, méchant monstre! Aïe, 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 ça fait très très mal ça! On va se soigner! Petit coup pour la route! Je crois que je vais passer à au trancheur. Merde, je rate. Oh, 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 oh. Ah, il m'a eu. Merde, il bat. Marche pas. Ça va pas bien le trancheur là. Je vais passer à la mitrailleuse. Attention, ouf, ouf. Moi, je crois que je vais péter un, non? Ah, il m'a attrapé. Il m'a chopé. Il m'a chopé. Il m'a chopé, les gars, il m'a chopé. Je sais pas le faire. Je peux pas tirer. Ah, je vais mourir. Ça marche pas, je peux pas viser. Ah, j'en ai eu un. Il en reste plus qu'un. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Il reste un peu sa grande bouche, non?
Mon arme. Vite. Il n'est pas encore mort, hein. Merde. Il faut soigner. Aïe. Ah, c'est dur. C'est la bataille finale, je pense. Ensuite, va taper. Cours. Recherche. Aïe. J'ai pas évité. Vite, soigne. Il est là. Dans les œufs là. Cours. Ça c'est bien joué. Ah non, il m'a eu. Faut que je me soigne. Allez, il m'a encore vu. J'ai presque aussi. Hein. Plus qu'un œuf là. Au secours. Cours. Merde. Non. Je l'ai eu ou pas? Je me soigne, hein. Je crois que je l'ai eu, non. Je vois plus John. Je vois plus de trucs jaunes. Oh non, il va tomber sur moi. Waouh, impressionnant. Il va tomber dans le trou. In the trou, in the hole. Oh, on le voit plus. Bon, je sais pas s'il y a encore des trucs à tuer ou pas. On s'en est bien sorti, hein. Par contre, j'étais déçu des rasoirs. Comment? Les lames n'ont pas bien... n'ont pas eu de bons résultats, je trouve. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? C'est peut-être pas fini, les amis. Regardez, il y a encore une commande de chargeur, là. Faut aller où? Faut aller dans la navette, je crois. Faut aller dans la navette? Ouais, c'est ça. Ok. Ah, ça fait tout seul. Je suis aspiré dans la navette. C'est fermé. Au secours! Laissez-moi sortir! Laissez-moi m'échapper, s'il vous plaît. Oh, le monolithe! Au secours! Je prends la navette et je m'échappe! Oh, Nicole, c'est dommage, elle était déjà morte. Ils m'ont arnaqué. Oh, j'ai quitté la planète. Oh, regardez le truc qui tombe, là. Ah, ça a tout pété. Ça a tout explosé. J'ai battu le boss. Ah, il était plus facile que je pensais. Il faut dire que j'étais bien équipé. Plein de soins, plein de balles. Ah. Je vais enlever mon rig. Isaac a terminé sa mission. C'est moi. Je suis fatigué, vous avez vu? J'ai fini Dead Space, je crois. Il paraît qu'il y a le 2 et le 3. C'est pas fini les aventures. Oh là là, qu'est-ce que j'ai souffert. Mais ce jeu est super, je recommande à tout le monde. Vraiment très très bien. Il fait son taf. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler. Ah, c'est Nicole. Non, c'est encore assez de m'arnaquer. On sait qu'elle est morte. C'est... essaye de manipuler mon cerveau là. Le monolithe. Ouais, il a compris. Et puis derrière, tu vois un alien qui se lève derrière toi là, sur le siège. J'ai dit pour rigoler, moi. Oh putain! C'était quoi? J'ai dit pour rigoler, hein! Il y avait un monstre à côté de moi sur le vaisseau, c'est ça? Eh ben, les amis, nous avons terminé Dead Space. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. On va laisser faire défiler le truc. Des fois qu'il y aura une petite cinématique à la fin. J'ai vraiment apprécié ce jeu. Dire qu'il date de 2008, il n'y a rien acheté, il est top niveau. On est en 2022,
Il date de 2008. Il est super. Super. Très beau. Très fun. Certains passages très très durs pour moi. Sincèrement. J'ai eu quelques passages très difficiles. Allez, je vais dire 2-3 passages où j'ai vraiment souffert. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est gérable. C'est bien. J'avais plus peur au début parce qu'on est... On découvrait le jeu, donc on... les screamers marchaient mieux, tout ça, les monstres aussi faisaient plus peur. Au fur et à mesure de l'aventure, on s'est équipé, on était plus fort, on avait de meilleures armes, plus de cartouches, plus de soins, donc on était un peu plus confiant. Mais c'est pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Oh, j'en reviens pas que je l'ai fini, tiens. J'aurais jamais cru. Oh, et j'avais acheté ce jeu il y a tellement longtemps, j'ai jamais joué quoi. Faudra que je trouve le temps de faire le 2. Ben, je vais faire une petite pause pour ce genre de jeu parce que là j'ai eu trop de suspense, trop d'adrénaline. En tout cas, beaucoup de mises à jour, et mises à jour sur Génération 0, mises à jour sur Twitch, sur The Witcher 3. The Witcher 3, une très belle mise à jour qui a eu lieu aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, Night of the Dead, il y a eu aussi une très belle mise à jour. Il y a plein de jeux qui ont des mises à jour de dingue fin d'année. Je sais pas ce qui se passe. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je vous laisse apprécier la vidéo. Je vais attendre jusque la fin, des fois qu'il y aura une petite cinématique finale. Ça arrive parfois dans les jeux. Ok. En tout cas, chapeau. Finalement, je me suis décidé à faire ce jeu à cause de Callisto Protocol. Mais bon, le jeu est trop cher par rapport à ce qu'il vaut. Je pensais vraiment l'acheter dès sa sortie, Callisto Protocol, mais après j'ai vu des mauvais retours. Et je préfère attendre quand il sera pas trop cher. Par contre, le Dead Space 2, je l'ai déjà. Je l'ai aussi acheté, je l'avais acheté en même temps que celui-ci. Et je l'ai pas encore joué non plus. Je l'ai installé, hein, mais on va patienter. Par contre, Dead Space 3, il y a aussi un Dead Space 3 avec énormément de DLC. Je pense que là, ils ont fait la thune au DLC, mais je l'ai pas encore celui-là, je sais pas encore. On attendra une offre spéciale. Voilà. Alors, y aura-t-il une petite cinématique de fin? J'espère. Ce serait bien. Ça serait intéressant de voir Isaac partir avec la navette, voir qu'est-ce qui se passe avant le 2, quoi. Ah, chef de produit Belgique, Veritail. France, Allemagne, Italie, Espagne. Ah ouais, il y a des chefs de produits dans tous les pays, en Russie, en Royaume-Uni. Incroyable. Ah ouais, il y a du marketing international. Hein. Dans les mémoires de Christian Teichmann, c'est pas qui c'est. Chef de projet. Ah, il y a du monde pour faire ce jeu. Hein. Les testeurs, moi je veux bien tester. Être testeur de jeux vidéo, ça doit être un beau métier, ça. Tester des jeux vidéo. Ça serait cool, ça. Waouh, toutes les traductions dans toutes les langues. Oh. J'ai chaud avec le casque. Ah ben, je m'attendais pas à avoir fini, que c'était déjà fini quand même si rapidement, le boss. À avoir plus dur. Bon, c'est pas ça, il était quand même pas facile, mais on était bien équipé quoi. On était bien équipé. On l'a atomisé. C'est tous les testeurs, il y a des testeurs mondiaux quoi. Felindra, tête de tigre. Oh. Rama Krishna, Rama Krishna, c'est pour les Indiens. Test de conformité. EQ. C'est quoi AQ? EQ. EA. Capturement EAC. Comme estimant, ma famille, mon gros chat Imo. À tous les remerciements. Oh là là, on n'est pas fini les gars. À mon adorable femme de Polak, Emma et Vienne, je vous aime. Qui est Ryan de Pape Mitko? Qui est Ryan de Pape Mitko? Ah, Ryan est dedans. Joe Reader.
Dipédolan. Pour mes amours Liliana et Alissa Condré. Mohamed Fatou. Monique Benjamin et Ryan. La famille Moreno Marcus. Mon amour Diana. Ma super femme Linda. Sébastien la Marie Morgane. La grande patience de mon chien Oju. Mon chien Nelson, Amona Nora von Don, Polak, ah, il a mis plusieurs fois. Violette, maman et papa, Yvonne Milam. Alors je dédicace à papa, à tonton, à Ernest. Ce jeu est une technologie sous licence. Je pense qu'on a terminé. Et voilà, épisode 12, survivant de l'infini. Ah, petite cinématoche. Ah, regardez, il y a du cryptoche. C'est écrit. On dirait du thaïlandais presque. Tenue militaire débloquée, on débloque quelque chose, données historiques débloquées, 50 000 crédits offerts, 10 points de force offerts, mode impossible débloqué, et vous croyez que je vais jouer le mode impossible? Ça va pas la tête. Ça... Entrez, sauvegardez cette partie, puis chargez-la pour rejouer avec vos nouveaux équipements. Oui, je sauvegarde! Je sauvegarde au dernier emplacement, rescapé de l'infini. Non, je vais pas rescaper, faire celui-là, je vais faire un nouvel emplacement. J'ai sauvé ou pas? Ne dis pas des blagues. Et je retourne à Windows. J'ai débloqué plein de trucs, mais ce sera pas un mode de taré, quoi. Le mode. Ah, ça sera peut-être à tester pour le fun, mais je crois qu'on va. C'est trop stressant, non? Allez, les amis, à la prochaine. Ciao, ciao.